Allez, c'est parti pour cette demi-finale retour entre les Guerrières et les Gazelles. L'acte 2 après cette demi-finale. Allez, remportée de 15 points par Villeneuve-d'Ascq. Ah, le mismatch tout de suite, hein. Rabot qui se retrouve sur un îlot. Et Diaby, regardez encore cette défense de Rabot qui se bat. Mais Diaby va trouver la solution. Avec toute une salle, toute une ville. Oh, Diaby, la puissance de l'Ivoirienne. Kariata Diaby, Diaby, la rage. Trop envie de parler en ce début de soirée. Oh, refusé. Janel Salin. Diane, qui pour répondre? Le N1 de Camilla Smalls, l'américaine, la nouvelle recrue de Villeneuve-d'Ascq, qui fait une grande saison et qui fait des immenses playoffs. Alors je parlais avec le général manager, hein, l'ancien coach Christophe Bitou, qui me disait... Ah, et Caroline Herriot, la vitesse. Le ballon est repris par Kennedy Burke, la petite passe, c'est magnifique. C'est un récital de la part de Villeneuve-d'Ascq. Burke qui trouve Salin. Et j'ai envie de vous dire, hein, coach Méziane n'a pas envie que ses filles retirent le pied de l'accélérateur. Ah, face à Niskanen, ça va le prendre ce shoot à deux points. Janel Salin. Isolation, mode activé, 19-4, la fessée. Franlo et Caroline Herriot, la magnifique défense. Et encore une phase de contre-attaque pour cette équipe de Villeneuve-d'Ascq, parfaitement exploitée. On a eu Burke Salin, on a Salin Burke. Trop court, mais le rebond de Peters. Aïe, 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 voilà. La petite claquette de l'américaine. Et Diaby, encore une fois, le rebond offensif. Elle est impériale, impériale dans cette première mi-temps. Touré à 3 points, il y a Touré. Et vous voyez la différence, Lucien, avec tous les tirs qu'elle prend d'habitude. Là, elle a posé le triple, pose d'appui, pas d'hésitation, bang bang, c'est ça. Touré, le petit dribble dans le dos. Il y a Touré. Aïe aïe aïe. Ça sera dans les highlights. Oh oui. Part de gauche à droite pour mettre. Alors, on va le revoir pour le régal de dans la moulinette. Et ça, c'est ce qui fait du bien. Et pourtant, un Salin qui avait bien suivi. Qui... On a plus 5. Touré encore, l'impact de Minia Touré. Et Minia Touré qui a enfin décidé de jouer. Elle nous a entendu, Angelo. Elle est en train de nous faire un grand match, Minia Touré. Smalls. Smalls qui libère Salin dans un fauteuil. Janel Salin, cette fois-ci, voilà, c'est la bonne. Lucien, évidemment. Voilà. Smalls face à Linskens. Elle va le prendre, ce shoot. L'américaine. Voici, elle le prend. C'est de la magie. Hirsch face à Linskens, ça va le prendre ce shoot. Bah, y'a Hirsch. Herriot qui va tenter le shoot de l'impossible. Ouais, on y a cru, Angelo. 12 points séparent les deux équipes. 27 au cumul des deux rencontres à la mi-temps. Allez, Roman Berger. Voilà la prise de position d'Ilon Nègre qui n'a pas laissé la moindre chance à Burke. Salin. Encore Diaby. Diaby. Et encore une fois! Et surtout, Falls. Diaby face à Minia Touré, le mismatch! Injouable! Oh là là! Smalls qui met un coup de bambou derrière la nuque là! À la Montpellierienne! Il n'en faut pas plus pour prendre feu! Faut le jouer là, Diane qui ressort, faut le jouer, voilà! Diane qui va enfoncer Janel Salin! Proche. Rabot qui prend le shoot. Carence, oui. Rabot, voilà. Ça va la mettre en confiance, la jeune joueuse. Qui a 8 points, hein, pourtant. Oh, l'interception, elle se rattrape parfaitement. Janel Salin qui finit en lay-up. Kennedy Burke. Oh. Et Smalls, ouais. Comme un symbole, ça retombe dans les mains de Smalls. Qui vient aggraver le score. Julie Van Loo qui échoue encore une fois. Il était compliqué ce shoot. Fin du troisième quart-temps. 9 points séparent les deux équipes. 57 Villeneuve-d'Ascq, 48 pour le BLMA. Il s'en sort bien, hein, sur la contre-attaque Villeneuve-d'Ascq. Ouais. Hirsch qui se retourne. Bah, oh, Hirsch là, 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 là. Quand on a cette palette offensive. Toujours à Fred Weiss, mais... Diaby. Ça, ça plaît, oh, par là, contre. Là, ouais, ça s'égale. Peters qui temporise, ça va prendre ce shoot sur la tête de Burke. Tir. Berniès qui a réussi à passer la vitesse de Roman Berniès. Et Marina Touré qui met une dernière. Donc distance, Julie Van Loo, est-ce qu'elle va le prendre? La Belge, elle le prend. Ça ne rentre
Méziane.